Plus humaine et plus juste
ensemble, prions le Seigneur.
Oh,
Qui nous quitte aujourd'hui, qui s'en va, elle va directement au ciel. Elle va directement au ciel. Ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur, intercèdez pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Non, Aline, c'est Aline. Ça permet que les Yeah,
bona mabi akawa iyo amwo wayena duma sayasiyo wayena duma
pour les Néwa Anti, pour votre maison, bien Fouma, Ajodoué, Bitourbier, Pierre et Delphine. Vous voyez Teramion à quel cri à mon soin de vos vélos en Fiaoué. Voyons la foule sang au toit fini. Va Bitourbier vite en Fia Kwame, Gangan Kwame, voyons vos au Jorafo, à quoi m'y a commissaire. Pierre, elle définit hier. Bible femme aura firme. Mais nous croissons à Christ, à mon voix. Nous avons dit que 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 nous avons dit paradis. Au bout de il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui Oh, 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 oh
Maman, nous sommes en train Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il le referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et il amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ababazan, un timen, nyakob nala. Tu viens d'arriver à ton entier du diocèse de Mbalmayo, au fin fond de Vanjoma là-bas, en Longayat. Ils sont ici
venus de tout près ou de très loin. De la célébration de l'amour. C'est pour cela qu'en première lecture, j'ai fait lire le texte entre Pierre et Delphine. Deuxièmement, ce sera l'amour entre nous et parmi nous. Wonga koma chedisa mama jingwa e a kwete chedi zomia mo mazwa na mo atara. Avec Oliwasu, Isewa, Pierre et Souma Delphine. Babo Mintami, comme vous, on faille Zomis Ive, au Fena Biclare Bois, on faille Bini, comme il se foule et Mifumisia Yop, Adok Ressentiwan. Et vous, on gagne à Boros et vous, Mosse Anti, Anfoutara, Azamangul Mosse et comme Adok Ressentiwan, Christus Tenyanga Yaba Wunyetam. Asini biza ubi busa. Maliki zona angati ngubunye tam, asini bisa bizu binyin. Amisi mwe, anti ya kwam. Asoto hon, bamne emi kumne bengales. Beli guwa, papa kinzi tena. Uwe, nebe zilu ba. Mwad, amekimi yesu, kresu, ati wa. Abore men angati yabu na huka mnya tige minti. Bamba ino hamba onla. Abore ye, avan anga. Aka afu yon, uwe, nina. Na hamba ba, miti, mini busa. Madame Fanny, Ezukara, à Soudan. On ne s'abonne pas pour mon bonheur, on ne me donne pas d'un foufou, on ne voit pas le tir sous Christ le bel, aïe sous la pomme, au colafoumé, on ne voit pas. La douane Vanga, à Kaluya, oui, Nina, et on ne voit pas, nous, 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 comme Madame Fanny, et que nous avons la voix de la maladie. Bon, on va le mettre à la table. Vous faites une énorme bouteille. Parce que vous faites une la pollution. Vous me dites. Ça va faire. Vous avez un peu de misère pour la pollution. Vous faites une bouteille. 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 Vous faites une Le wanti korki bia ba ma ba sete ma na to mo kiri wato mo ba ma fa tsui mutum fati amina mia na Mana manumela pa
Papa Pierre, Madafin, Awai, Ngonkwam, Ophena, Bigin, Kwamis, et Boa Dumdu, et Yop, Atok, et Sosan Tiwan. Amen. Anti Baba Wakwa, Mofia Wakwa, Amen. Anti Baba Wakwa, Mofia Wakwa, Wakwa, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Debout, il comme un maniquin, un suihasson. Un de mazana, peut-être vous souillez un nom. Peut-être vous zambé, vous jouez un violon de chef et la famille. Puis quand un de madame le maire Poli. Et je me souviens, je suis venu à la maison. Il y a un peu de temps. Sa Majesté Njana Armand, le conseil à donner aux enfants, c'est l'amour et la poursuite, n'est-ce pas, de l'œuvre de leurs parents. Ils s'aiment, ils continuent, n'est-ce pas, d'œuvrer pour que la famille continue, n'est-ce pas, d'être rassemblée. Et que ce village ne se meure pas. Nous avons vu l'œuvre grandiose de leurs parents. Nous souhaitons que ça se poursuive. C'est ça, les héritiers doivent perpétuer
l'œuvre de leurs parents. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Moi, c'est M. Aho Jean-Philippe, chef chantier de WFC. D'abord, mes condoléances. Je vous demanderai d'être solidaire. Le départ de votre mère et de votre père doit vous unir et non de vous désunir. Je sais que votre père a beaucoup fait. Rendez-lui hommage en vous unissant et en relevant le défi qui est lequel l'harmonie continue à faire à ce que ses œuvres ne meurent pas. Je vous en remercie. Chers frères et sœurs, je suis la nièce de M. Pierre. Le dé frappe dans toutes les portes. Quand c'est notre tour, nous devons supporter. Ça veut dire quoi? Nous devons accompagner nos parents dans la prière. Prier pour que l'Éternel les accueille auprès de lui, afin que toutes leurs fautes soient effacées, qu'ils adhèrent au royaume de Dieu. C'est tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs. Surtout beaucoup de prières pour les accompagner. Merci. On ne doit pas surtout pleurer. Moi, c'est Lita Kevin. J'ai grandi à Essomba, auprès de notre père, notre mère. C'est douloureux, très douloureux d'avoir perdu ses proches. Et ça nous fait vraiment mal. Nous sommes vraiment culpabilisés à travers les faits qui nous sont présentés. Nous aimerons vraiment que de nombreuses personnes puissent nous soutenir dans cette épreuve vraiment si dure qui nous attend. Moi, c'est Ouassalidienne Carole et Kim Sobama. Il y a ça là-bas. Comme conseil à cette terrible nouvel événement qui nous est arrivé, je vais dire à mes frères d'être soudés plus que jamais, de se sentir les uns les autres, de s'entraider les uns les autres et de ne justement pas se perdre de vue parce que leurs parents, vous voyez, la preuve, c'est qu'ils étaient vraiment soudés jusqu'à la mort. Donc, comme conseil, j'aimerais que mes frères, les enfants qui sont restés derrière et les petits-fils, ils soient plus que jamais soudés. Donc, c'est ça. Moi, c'est Avoumo Sorelina. Je suis la copine des défunts. En fait, le conseil que je vais donner aux enfants, c'est d'être forts, de ne pas se laisser abattre par le décès de leurs parents. Et savoir que c'est ça qui leur permettra d'aller de l'avant et de ne pas baisser les bras et se soutenir beaucoup plus. Je m'appelle Bidoum Joseph, ancien directeur des Coupes de Daïni. Par rapport à ce double décès, nous pouvons dire que les enfants ont besoin de beaucoup de prières. Parce que tout, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu, la mort, c'est Dieu. Ces enfants ont besoin de beaucoup de prières, beaucoup de conseils. Et se confier aux aînés, aux élites de l'arrondissement qui ont côtoyé leurs parents, monsieur le maire, les conseillers, bref, tous ceux qui sont au-dessus de leur âge, les aînés. Donc ils doivent côtoyer ces aînés pour avoir la force nécessaire pour surmonter la grande douleur, parce que ce n'est pas facile de perdre à la fois deux parents. Donc ces enfants, ils ont besoin du soutien de toute la famille, de l'arrondissement. Donc c'est ce que je peux dire par rapport aux enfants qui s'accrochent aux aînés. Et Dieu va leur donner la force nécessaire pour surmonter cette lourde épreuve. Nous sommes tous désolés, éprouvés. On peut donner seulement un conseil aux enfants de tenir le cœur, de supporter et d'avoir le courage. Tout est arrivé et on n'attendait pas ce genre de réaction, surtout perdre deux parents ensemble, les enterrer au même moment. Mais on ne peut que leur demander d'avoir du courage, de beaucoup prier. Et je crois que Dieu
va les exaucer et il enverra un esprit pour les conseiller et pour les encourager dans le bonheur. Je m'appelle Essindi Bidima Dominique Isaï. Le conseil que je peux donner à mes enfants et à toute la famille, c'est qu'aux enfants, quand tu as perdu un père et une maman, il faut modérer la manière de vivre. Passer le temps à laisser les écritures de la Bible qui nous encourage à nous laisser modeler par l'Esprit de Dieu en cultivant les qualités comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi et une certaine maîtrise de soi. Elle nous demande même d'être renouvelée par l'Esprit qui anime notre intelligence et de revêtir une personne nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice vraie. Nous voulons avoir une famille soudée, que le papa est parti, la mère est partie, nous devons continuer. Quand la famille est réunie, qu'il n'y a pas les collaborations, ça veut dire avoir c'était beaucoup plus la bêtise de soi, l'amour. Je pense que nous pouvons aller, nous pouvons dépasser ces montagnes, parce que c'est pas facile, c'est dur. Mais c'est Dieu qui a voulu que ça soit ici. Je te remercie.